Tout est fait, bonjour. Chris, le chanteur Chris passe de la chanson, qu'il n'abandonne cependant pas, à l'audiovisuel avec une émission sur Canal+, Lyrics. Vivre de sa musique, c'est un autre défi, dit-il. Avant lui, Dominique Coco, Admiralty, avait dit la même chose. Et notamment qu'avec Internet, les ventes d'albums ont baissé, que seuls les concerts leur permettent de vivre de leur musique. Triste. Mais celui qui travaille depuis 10 ans avec Missy Sadik, autre chanteur de qualité, sait se diversifier. Bravo Chris. Raymonde Pater-Torin est danseuse, elle est chorégraphe du groupe Kamojaka. Elle passe la main, elle va se consacrer à des projets personnels, toujours dans le domaine de la danse et de la transmission du savoir. Elle va faire de la recherche. Cette jolie femme attachante a encore du peps. Bravo Raymonde. Hélène Bolifante, maire de Bemao, sera-t-elle poussée vers la sortie si Ari Chalus choisit de ne pas se représenter à la région en 2021? Pour l'ancien maire de Bemao, il faut être conseiller municipal sur les 2020 et puis attendre sagement, à moins que M. Chalus veuille faire un second mandat, mais il n'est pas dit qu'il soit si facilement réélu. Jacques Cornano a connu tous les honneurs. Il a trouvé à chaque étape de son parcours politique les appuis nécessaires à gauche, à droite pour sa réélection à la mairie de Saint-Louis de Marie-Galante. Les suffrages en ont fait un conseiller général avec des voix de gauche, de droite, du centre, de partout. Un député suppléant pour mettre dans l'escarcelle de son colistier les voix de Marie-Galante. Un sénateur pour finir élu par tout le monde. Il ne se représente plus, quoique jeune encore, à la mairie, laissant celle-ci ruinée, difficilement capable de sortir un déficit abyssal. C'est une bérésina. Il a bien mérité de la patrie. Bonsoir et à demain.